Et première figue de l'année ici à Montcuq en Quercy-Blanc, mais du nord au sud du département. Les confidences sont toutes similaires. C'est le 18 août que furent mangées les premières figues dans notre département. Naturellement, ces premières figues, comme vous le voyez ici, il faut parfois les partager avec les oiseaux car elles viennent de mûrir et l'oiseau se jette dessus comme nous, mais qu'elles soient bordeaux comme ici ou blanches, on retiendra qu'en 2018, c'est le 18 août que Lotoise et Lotois ont commencé chaque matin à se rendre près du figuier pour déguster quelques figues, car comme vous le savez, les figues ne se vendent pas dans des magasins, les figues doivent se consommer immédiatement après leur cueillette. Je sais, ça plaira pas à tout le monde cette remarque, mais c'est ainsi. Voilà, donc je vous ai déjà conseillé régulièrement de planter des figuiers pour manger des figues. Voilà, en 2018, espérons que la récolte sera bonne parce qu'on peut aussi les conserver au congélateur et faire de la confiture, etc., etc. Voilà, la majorité sont encore toutes vertes, mais espérons que cette année, les figues nous dureront au moins 6 semaines. À Montcuq en Quercy-Blanc, les figues sont également parfois dites blanches. Et en 2018, les blanches de Montcuq en Quercy-Blanc, c'est le 18 août également qu'elles furent mangées, les toutes premières, bien sucrées. Elles sont meilleures dans quelques jours, naturellement, mais on ne peut pas se priver des toutes premières figues. Toutes premières figues, toutes premières figues. Bref, on chante aussi près des figuiers, même si c'est pas du Nino Ferrer, donc ça rapporte moins.